Allez, c'est parti. Donc, dans ce donjon, on va obtenir un objet qui va nous être très utile pour la suite. Et voilà. Il est tout en hauteur, hein, ce donjon, on fait que monter. On fait que tomber aussi. Ok, j'ai pas... j'ai pas fait exprès de faire tomber les deux, mais bon. Et la musique est pas mal aussi. L'avantage, c'est que les ennemis volants, on peut facilement les... Cette maîtrise. Bon, normalement, faut utiliser l'arc, mais... C'est pour ça que je jouais le boomerang en ce donjon, parce que c'est beaucoup plus cool. Merde. Bon, ça, ils nous feront pas retomber de l'autre côté du truc. Merde, on fait comment déjà? Ah, mais oui, je suis bête. Peut aussi faire tomber les blocs là, a priori. Merci. Putain, heureusement que j'esquivais. On a rien en bas à gauche. Il y a un quart de cœur à récupérer dans ce donjon aussi. Mais c'est assez difficile de le louper. L'indice pas du tout discret. Donc si vous n'avez pas le boomerang, hein, c'est pas grave, hein. Vous pouvez largement faire avec les flèches ou en éjectant les ennemis ou des trucs comme ça. Donc là on donne beaucoup de cœur comme vous le voyez, ce qui veut dire que... Putain, j'ai tenté un truc. Merde. Voilà. Ça, bon, on peut le faire avec le boomerang magique, mais sinon vous pouvez poser une bombe pour le faire. C'est nul. Merde, Kalido. Ils m'ont eu. En vrai, en prenant son temps, ça c'est simple. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas encore utilisé l'arc de lumière depuis qu'on l'a. Ouais, bon. C'est pas la meilleure arme du jeu, hein, je préfère vous le dire. Et on obtient l'objet du donjon, la cape de roc. On va retourner un peu en arrière pour reprendre le coffre là qu'on avait raté. Donc si on appuie une fois, ça fait comme ça fait un saut. Un peu comme la plume de roc là dans le dans l'autre Zelda. Et sinon si on maintient appuyé elle avance toute seule, hein. C'est-à-dire que si j'appuie là, enfin dès que j'ai appuyé vers l'avant, même si j'appuie plus vers l'avant, ça continue à avancer. Je sais que c'est... On dirait que c'est pas important, mais c'est important. Là, vous voyez, je fais ça, mais si j'avance en même temps au moment où j'appuie, même si j'appuie plus sur la direction, il continue à avancer, donc faut bien faire gaffe. Alors, tu voulais voir que là, que des fois, c'est un peu bizarre.
Ah mais ça c'est chiant. Des fois vous allez voir la hauteur est un peu bizarre. Hein. Alors eux, je crois qu'ils sont pas sensibles au boomerang, on va tenter mais... Ouais. Donc là c'est bouclier, hein, simplement. Comment 14? On sait que le vent continue à nous pousser même quand on est en l'air. Ça peut donner des trucs assez marrants d'ailleurs. Mais attends, si je suis là, il me fait rien. Ah, si. Je disais, je suis pile entre les deux donc c'est bon. Mais non, en fait. Alors, il y a moyen de résister aux trucs comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà. Et bon, comme dans tous les donjons, on veut mieux garder l'objet du donjon sur soi. Ouais, il nous dit ça alors qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, mais bon. C'était optionnel ce qu'on a fait avant. C'est pas du tout louche. Merde. J'ai dû faire un petit coup à gauche là, j'ai failli tomber. Ce qui est assez bien dans ce donjon, c'est qu'on ne tourne pas trop en arrière. Merde. J'aurais dû attendre pour faire le troisième. Hein? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai dû toucher le mur sans faire exprès. Mais non, putain c'est pas vrai. Je s'y ferai un peu trop tard. Cette blague. Après j'aurais peut-être dû me mettre au milieu, à gauche puis au milieu en fait. Bon c'est pas grave. Là les corbeaux vont être un peu chiants. Vous voyez là par exemple, quand je vous disais que perspective n'a aucun sens, il est au-dessus de la grille, mais je l'ai touché avec mon épée. Bon bref, c'est pas très important mais... C'est juste pour vous dire quoi. Il y a quand même pas mal de petits trucs qu'ils ont trouvé hein, avec la cape. C'est assez original. De toute façon, les objets de ces ailes-là sont vraiment bien utilisés, je trouve. Donc là, vous voyez un truc à mini-niche. Oups.
Je fais un peu n'importe quoi. Merde. Quel connard. Il s'est bloqué tout seul. Bon bah. Ah mais je dois te refaire non? Comment on fait pour annuler? Bah non, attends, il y a forcément un moyen. Si, parce que là, dans tous les cas, je suis foutu là. Ouais. Donc faut que je reset, d'une manière ou d'une autre. Bon, le meilleur moyen c'est de sortir de l'écran, mais ils sont assez grands les écrans de ce jeu. Ce donjon, pardon. Ah bah non, c'est bon, il y avait la sortie là. Ok. Voilà. Ah, ok. C'est pas logique ça non plus. Je passe entre les pics. Entre les pics normalement. C'est vrai qu'on peut aller plus vite en faisant des roulades. Ah, attends, je vais tester un truc. Putain. J'y avais jamais pensé avant. C'est pourtant logique. Alors, je sais plus dans quel sens faut aller là. Il y a un petit bug de son là, un petit décalage. Ah oui, ça va être chiant là. Merde. Mais... Voilà. Faut aller en bas ou... Ok. Fallait que par là on dirait. Ils font un truc super compliqué alors qu'en fait ça tire du premier coup. Voilà, encore une utilisation assez sympa là. Vous voyez, on prend de la hauteur et du coup on va plus loin. Ça c'est sympa aussi. Alors ce quart de cœur, vous en faites pas, on le récupère après. Merde, comment on fait déjà là? Bah oui. Ah bah oui, faut aller à droite. On pose des questions débiles un peu. Donc le même principe. Non. Alors on est déjà au troisième étage. Hein. Ouais, y a rien de si compliqué que ça. Alors là, ça va être un peu plus compliqué là. Je vais essayer, mais non, ça marche pas. Ok, ça marche pas du tout. Non, mais non, ça marche pas non plus.
Il me semblait pourtant. Il y a moyen de les tuer en un coup. Yes. Bon, je vais pas récupérer les rubis de l'autre, on s'en fout, on est au max. Ah ouais, on peut leur aspirer leur tête, mais on peut aussi faire ça en fait. Je sais pas si vous connaissez cette technique. Oh. Putain, il me saoule lui. Ça donne forcément une fée. Hein. Je crois qu'on peut pas le faire par là en fait. Ouais, c'est ça. J'avais pas une clé? Ah mais non! Je viens de l'utiliser, je suis bête. Ah mais non! J'ai que 3 Claude, donc je peux pas. Faut du coup, faut... Quel attardé. Sinon je le fais sans l'épée aussi. Les fans charge compliqué pour rien. Allez. Voilà. L'arc de lumière pour l'instant pas très convaincant. Hein. Ouais, le solo. Ah mince. Ah, ils sont dangereux eux, ensemble. C'est nul. On va y aller en bon alors. Merde. Ils vont enfin savoir quelque chose. Allez, prends ça. Par la puissance de l'arc de lumière. Ah bah voilà. Super, comme ça on va refaire le plein de vie. Bon, j'ai rien loupé, à part la boussole, la carte. Vous devez vous dire la boussole, la carte, tout ça. Qu'est-ce qu'il fout? Mais en fait, c'est juste que... Je vais vous dire, mais c'est le boss, là. Et moi, je vous dis que non. Ce n'est que le début. Eh oui, ce n'était qu'un Dark Knut. Enfin, que... Je sais pas si on peut le stun. Non. Ah, il faut savoir qu'avec avec ça on peut le battre. Hein. Regardez. Faut lui sauter dessus au bon moment en fait.
Bon, après faut bien jouer. Voilà. Et on ouvre en fait la deuxième partie du donjon, mais c'est pas la fin, c'est pas le boss en fait. Petite feinte, hein. Et non, on n'a pas loupé le quart de cœur, c'est normal. Voilà, la boussole. Alors, est-ce qu'on a loupé des trucs? Ouais, on est de nouveau au rez-de-chaussée machin, parce qu'en fait on est redescendu tout en bas, mais dans une autre partie. Alors faites bien gaffe aux momies, hein, surtout. Alors là faudra tomber pour atteindre ce truc. Hein. Les momies on va pas s'emmerder à les battre, c'est un peu long. Et dans le noir c'est un peu chiant aussi.